Ben, Thomas, c'est un grand plaisir, un grand honneur pour la clinique de vous avoir parmi nous pour ouvrir cette cinquième émission. Je vous remercie encore une fois et je vous laisse la parole. On vous écoute. Merci Younous, merci Lisa et merci à vous tous et toutes. C'est un honneur de partager quelques réflexions avec vous au début de votre école d'été. Alors, pour commencer, je voudrais partager une carte mondiale avec vous. Alors, je vais partager mon écran. Oui, c'est ça. Ça marche? Oui, merci. Oui, c'est très bien. Alors, mais je. Voici la carte mondiale. Et cette carte vous donne les ressortissants des pays qui sont blancs sur cette carte ont besoin d'un visa d'entrée pour moins de 100 pays, alors que les ressortissants des pays gris sur la carte ont besoin d'un visa d'entrée pour plus de 100 pays. Cette carte qui a été développée par Youssef Al-Tamimi visualise l'inégalité mondiale de la mobilité. En d'autres mots, elle visualise, en d'autres termes, les effets du droit de la migration internationale. Grosso modo, les citoyens originaires de l'Europe, des sociétés anglophones de l'Amérique du Nord, d'Australie et de Nouvelle-Zélande, ainsi que de Corée du Sud et du Japon, peuvent se déplacer à travers le monde avec une grande facilité, tandis que les Asiatiques, les Africains et les Latinos ne le peuvent pas. Bien que ce résumé brutal doive être nuancé et qu'il ait été en fait, le tableau général ne change pas. Cette carte nous montre l'inégalité mondiale de la mobilité. Cette inégalité a une longue histoire. Depuis le début de la colonisation européenne du monde, à partir du XVIe siècle, les grands auteurs européens du droit international ont établi qu'il existe un droit de voyager et de s'installer dans d'autres pays, à condition de ne pas nuire aux habitants originaux. Des auteurs comme Francisco de Vitoria, Hugo Grotius et Aimer de Vatel écrivent que le droit international est fondé sur le principe de la communauté humaine et sur l'idée de la commerce. Notamment, Vitoria et Grotius sont très explicites que leur doctrine fait partie de la justification de la colonisation européenne. Cette doctrine a été légiférée dans les traités internationaux que les pays colonisateurs ont conclu avec les habitants originaux de ces pays colonisés. Évidemment, ce sont des traités inégaux, mais ce sont des traités qui légifèrent la vision européenne de la colonisation. À partir du XVIe siècle jusqu'à la fin du XIXe siècle, ces traités précisent que les Européens ont le droit d'entrer dans les relations commerciales et pour ce fin, d'habiter dans les pays colonisés. Par exemple, un traité conclu encore en 1868 entre la Chine et les États-Unis stipulait que la migration était, et je cite, le droit inhérent et inaliénable de l'homme. Cette doctrine devenait moins plausible pour les settler colonies, les colonies de population, pendant la deuxième moitié de la 19e siècle. L'abolition de l'esclavage aux États-Unis et dans les Caraïbes a résulté dans une pénurie de main-d'œuvre. Comme résolution, le Royaume-Uni a incité ses sujets britanniques du sous-continent indien de migrer vers les Caraïbes et les États-Unis, par faute de colonies, ont conclu des accords avec la Chine afin de permettre des travailleurs chinois de migrer vers la Californie. Dans ce contexte-ci, le droit de voyager et de s'installer dans d'autres pays, qui était originellement formulé dans le contexte de la colonisation européenne, était utilisé pour justifier la migration des travailleurs asiatiques vers les colonies de population dans les Amériques. Mais à un certain moment, les autorités régionales en Californie
en British Columbia au Canada comme en Victoria en Australie ont développé l'impression qu'ils perdent le contrôle de la migration asiatique. Comme réaction, ils ont introduit des législations interdisant la migration des Chinois ou des Japonais. Les litiges introduits contre cette exclusion des Asiatiques par des migrants asiatiques, d'origine asiatique, ont abouti dans une série de décisions dans les cours suprêmes des États-Unis et de l'Empire britannique. Le plus fameux est le cas de Chen Changping de la Cour suprême des États-Unis de 1889. La Cour suprême des États-Unis a statué que, je cite, « le pouvoir d'exclusion des étrangers est un incident de la souveraineté étatique. Par conséquent, chaque gouvernement est libre de considérer, et je cite, de considérer la présence d'étrangers d'une race différente dans ce pays, dans les États-Unis, qui ne s'assimileront pas à nous comme dangereuses pour sa paix et sa sécurité. C'est la fin de la. Et pour ce motif, les États ont le droit d'exclure ces migrants. Ce jugement de Xi Jinping signifie un changement brutal de la doctrine juridique de droit international. La migration n'est pas le droit inaliénable qu'elle était encore en 1539 pour Vittoria, en 1609 pour Grotius, ou en 1868 pour ce traité entre les États-Unis et la Chine, mais par contre, elle a déclaré de n'être pas du tout un droit de l'homme. Bien au contraire, le droit est celui des États, en fonction de leur souveraineté, d'exclure des migrants à volonté. Alors, des législations modelées à la façon des lois américaines ont été introduites dans les Amériques, en Australie et en Nouvelle-Zélande pendant environ de 1900. En Europe, la Grande Guerre de 14-18 a résulté dans des lois donnant la police des pouvoirs extensifs vis-à-vis des étrangers. Ces restrictions sont restées en place jusqu'au Deuxième Guerre mondiale. Mais dans l'après-guerre, la France et le Royaume-Uni ont essayé de rétablir leur lien avec leur empire. Une révision fondamentale des lois sur la citoyenneté faisait partie de ce projet-ci. En conséquence, des sujets coloniaux ont gagné le droit en théorie, pas toujours en pratique, mais le droit de se déplacer vers le métropole en France en 1947 et en 1948 au Royaume-Uni. Mais quand, quelques décennies plus tard, il s'est avéré que les réformes des empires britanniques et français ont conduit à l'indépendance des colonies et pas dans la modernisation de l'empire, les métropoles ont commencé de réduire la liberté de circulation de ces anciens sujets coloniaux dans les métropoles. Le Royaume-Uni a fait cela dans un processus graduel entre 62 et 81, alors que la France a introduit des restrictions en 1973. Ce processus de changer la pratique de libre circulation entre métropole et anciennes colonies, ce processus-ci est le contexte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme sur la migration et l'asile. Une affaire provenant du Royaume-Uni a été soumise à la Cour européenne des droits de l'homme. C'est l'affaire de Abdelaziz Cabales et Balkandali. Dans ce cas, il était établi que la législation britannique divise les citoyens du Commonwealth, les citoyens de ce qui reste de l'Empire britannique. La législation divise les citoyens du Commonwealth en deux groupes. D'abord, des sujets qui n'ont pas le droit d'entrer dans le Royaume-Uni, ce sont des Commonwealth citizens, des citoyens du Commonwealth, avec des parents nés dans les anciennes colonies. Et alors, ce sont des personnes de couleur, des personnes non blancs. Ils n'ont pas le droit d'entrer dans le Royaume-Uni.
Ces citoyens sont traités comme des étrangers et sont soumis aux politiques d'immigration restrictives. De l'autre part, les citoyens du Commonwealth, avec des parents nés dans le Royaume-Uni, en autre mot, des personnes blanches, ont le droit d'entrer dans le Royaume-Uni et n'ont besoin d'aucun permis. La Cour européenne des droits de l'homme a statué que, d'après un principe de droit international bien établi, les États ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, les États ont le droit de contrôler l'entrée des non-nationaux sur leur sol. Et la Cour admet qu'on ne saurait exclure que des mesures prises dans le domaine de l'immigration risquent de porter atteinte au droit au respect de la vie familiale, mais ajoute que dans ce cas-ci, les États jouissent d'une large marge d'appréciation. La Cour européenne a suivi la Cour suprême des États-Unis en concluant que l'exclusion des étrangers n'a pas besoin d'être justifiée. Bien au contraire, ce sont les couples, parce que l'arrêt Abdelaziz portait sur le regroupement familial, ce sont les couples qui doivent justifier pourquoi ils préfèrent vivre dans le pays européen où vit l'un des conjoints plutôt que dans un autre pays du monde. Alors, l'adoption de la doctrine développée par la Cour suprême des États-Unis dans les cas sur l'exclusion des Asiatiques a été adoptée par la Cour européenne des droits de l'homme. En conséquence, ce qui était jusqu'à ce moment-là une doctrine de droit international était dorénavant élevé au niveau des droits humains, ce qui ne donne plus de légitimité. Des auteurs européens ont caractérisé la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme comme une inversion de la façon habituelle d'appliquer les droits humains. La façon habituelle requiert que c'est l'État qui justifie les ingérences dans les droits de l'homme et ce n'est pas le citoyen qui doit justifier son ingérence dans les prérogatives étatiques. Mais c'est celui-là qui est le cas dans le champ de la migration et de l'asile. Cette inversion strasbourgeoise, comme l'appelle Marie-Bénédicte d'Hambourg, joue un rôle crucial dans la jurisprudence de la Cour. L'inversion strasbourgeoise est le fondement de sa jurisprudence dans le champ de l'asile, du regroupement familial, comme dans sa jurisprudence sur la détention des immigrants. Aussi, dans des jugements récents, l'inversion joue un rôle crucial. Des exemples sont le jugement permettant le refoulement en groupe de migrants à Melilla, c'est NDNT contre l'Espagne, le jugement dans lequel la Cour démentit que l'enfermement des migrants à la frontière entre la Serbie et l'Hongrie constitue détention, c'est Ilyas Ehamet contre la Hongrie, et la décision de irrécevabilité dans les cas de visa humanitaire, c'est MN contre Belgique. L'inversion strasbourgeoise n'est pas simplement un bloc de texte standard dans les juges de la Cour européenne des droits de l'homme, mais c'est le principe fondamental qui est le moteur de sa jurisprudence. Alors, revenons à la carte mondiale que je vous ai montrée au début de mon intervention. L'inégalité mondiale que nous y voyons est le résultat d'une longue histoire marquée par l'hégémonie européenne, y inclut les descendants européens dans les settler colonies anglophones. Et le droit international de la migration forme la justification de cette inégalité et de cette hégémonie. Vu de cette perspective, il semble possible que des acteurs juridiques dans les pays gris sur la carte ne partagent pas cette justification, mais ont l'opinion que cette inégalité est une violation des normes juridiques fondamentales. Et je pense qu'en fait, c'est le cas. Alors, j'en viens à présent à la deuxième partie de mon intervention qui aborde les perspectives non-européennes en matière de droit international de la migration. La jurisprudence régionale en Afrique et dans les Amériques n'accepte pas nécessairement cette doctrine juridique mondiale du Nord mondial. Les acteurs juridiques
de ces pays ne trouvent pas toujours évident que le régime inégal de mobilité juridique s'accorde facilement avec le droit international. D'abord, un premier exemple d'une approche différente se trouve dans la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui supervise la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Nous avons vu, il y a quelques minutes, qu'au début du XXe siècle, les pays de l'Amérique du Sud ont rapidement adopté la doctrine de l'exclusion chinoise et la législation racialisée qu'elle légitimait. Mais Diego Acosta a montré que vers la fin du XXe siècle, le droit migratoire en Amérique du Sud a une structure fondamentale différente par rapport à la période précédente. Une tradition antérieure d'ouverture aux ressortissants d'autres pays d'Amérique du Sud a coïncidé avec le fait que le continent est devenu une région d'origine des migrants. Cela peut aider à expliquer que la Cour interaméricaine a statué que l'égalité et la non-discrimination sont des normes impératives du droit international, alias jus cogens, et cela signifie que l'égalité et la non-discrimination sont des normes auxquelles aucun dérogation n'est permise, aucune exception ne peut être faite. La Cour interaméricaine a ajouté que le statut migratoire, c'est-à-dire le fait d'avoir ou non d'un droit de séjour, la Cour a statué que le statut migratoire est un motif de discrimination interdit. Et ça ne signifie pas que les États ne peuvent pas faire de distinction entre nationaux et non-nationaux ou entre les migrants en situation régulière et les migrants sans papier. En d'autres termes, les États peuvent faire des lois sur la migration, mais l'exclusion d'un étranger exige une justification. La Cour interaméricaine exige que cette distinction soit raisonnable, objective, proportionnée, qu'elle ne soit pas discriminatoire et qu'elle ne porte pas atteinte aux droits humains. La Commission africaine des droits de l'homme et des peuples a statué que l'expulsion des étrangers peut violer le droit à la propriété, le droit au travail, le droit à l'éducation, le droit à la vie familiale, le droit à l'égalité, le droit à un recours effectif, ainsi que peut violer les interdictions des expulsions massives et du refoulement. Alors, la Commission considère que l'expulsion est une ingérence dans beaucoup plus de droits que la Cour européenne. La liste africaine est beaucoup plus longue que la liste des droits impliqués en Europe. En outre, ce n'est que après avoir abordé ces questions que la Commission reconnaît que les États peuvent intenter une action en justice contre les migrants sans papier. La position de la Commission peut être liée à l'histoire africaine. Divers auteurs mentionnent trois éléments qui peuvent aider à expliquer cette position. D'abord, la tradition de mobilité qui rend la doctrine d'exclusion chinoise invraisemblable. Deuxième, la manque de contrôle de nombre d'États africains sur leurs frontières. Et finalement, l'arbitraire de beaucoup de frontières africaines qui sont en grande partie un héritage colonial. Ce n'est pas seulement dans la jurisprudence qu'on peut distinguer l'adoption des positions normatives et juridiques qui sont tout à fait différentes du principe de droit international bien établi de la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous donne quelques exemples. La libre circulation dans le CEDEAO est souvent comprise comme étant copiée-collée de l'Union européenne. Bien que la directive européenne de 1968 ont été peut-être une source d'inspiration pour la législation de la CEDEAO, je crois qu'une telle vue départ d'une malentendue fondamentale. Comme nous montre l'œuvre d'Amanda Bisson et d'autres, la libre circulation en Ouest-Afrique était, je crois, un compromis entre les aspirations panafricaines de certains leaders de l'indépendance africaine comme Nkrumah
et d'autre part des leaders qui voudraient maintenir des liens forts avec les anciens colonisateurs ou qui, pour d'autres raisons, voudraient maintenir une forme d'autonomie vis-à-vis d'autres pays africains après l'indépendance. Et je pense à Léopold Senghor, par exemple. Ce contexte est crucial pour la faisabilité de la libre circulation en Ouest-Afrique. Et c'est cette liberté de libre circulation qui est en train d'être minée par les interventions européennes dans la gestion de la migration de divers pays africains. La libre circulation en Europe était vue dans les années 50 par les fondateurs de l'unification européenne. La libre circulation était vue comme une possibilité d'en finir avec des siècles de nationalisme meurtrier dans le continent européen. Par contre, en Ouest-Afrique, les écrits d'auteurs comme Abdoulaye Hamadou et Prema Elidiko montrent, je crois, que la libre circulation en Ouest-Afrique est considérée comme un retour vers la situation normale qui a été interrompue par la période coloniale. Un autre exemple de la possible spécificité du droit international de la migration en Afrique est la Convention de Kampala de 2009. Cette convention de l'Union africaine concerne les personnes déplacées dans leur propre pays, les déplacés internes. Dans son article 3H, la Convention de Kampala mentionne le déplacement en cause des activités par des entreprises multinationales et entreprises militaires ou de sécurité privée, alors que dans l'article 3 sous I, elle mentionne l'exploration et l'exploitation des ressources économiques et naturelles comme cause de déplacement forcé. L'article 10 concerne le déplacement provoqué par des projets, probablement des projets de développement. Ces articles pourraient être un nouveau départ conceptuel dans les débats sur le déplacement climatique, comme dans les débats sur les causes économiques du déplacement forcé. Un autre exemple provenant de la pratique des États concerne le Maroc et le contexte dans lequel je dis ici me fait très incertain parce que vous savez beaucoup plus que moi sur cela. Mais à la base de mon observation est l'œuvre de Nora El-Khadi. Dans son analyse, l'attitude comprise par l'Europe comme non coopératif du Maroc dans le champ de réadmission et de la coopération sur les visas, cette attitude marocaine est en fait, dans son analyse, liée à une perspective plus répandue dans le sud global. Cette perspective trouve que l'inégalité de la mobilité est sans justification et elle considère la gouvernance européenne des frontières sélectives aux dépens des populations d'origine africaine. L'attitude dite non coopérative du Maroc doit être interprétée, selon Nora El-Khadim, comme une forme de contestation de cette sélectivité, de ce manque de justification de la part de l'Europe. La société civile nous donne aussi des exemples des perspectives du sud mondial. Comme exemple, prenons la procédure entamée par des citoyens libyens contre le mémorandum d'accord entre l'Italie et la Libye en 2017. Cet mémorandum était et reste encore aujourd'hui la base des pullbacks des migrants et des réfugiés par la garde côtière libyenne. Entre autres arguments, les représentants de la société civile libyenne ont invoqué la coopération entre l'Italie et la Libye implique que la souveraineté libyenne est mise à la disposition des États européens pour des motifs qui n'ont rien à faire avec les intérêts libyens. Aussi, ils invoquent que des acteurs libyens seront responsables pour les violations des droits humains qui sont commis dans l'intérêt de financé par et à la demande de l'Italie. La dernière exemple que je voudrais partager avec vous aujourd'hui concerne les causes profondes de la migration forcée. Tandis que des auteurs européens ont l'habitude d'utiliser le terme « cause profonde » comme plus ou moins équivalent pour les caractéristiques dysfonctionnelles des États africains,
Des auteurs du Sud global indiquent que la grande majorité des réfugiés fuient des conflits dans lesquels les États-Unis et l'Europe ont eux-mêmes entamé, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, ou dans lesquels ils jouent un rôle majeur en soutenant leurs alliés, mais pas dans une mesure qui permet d'en finir avec le conflit, comme dans le Syrie, Yémen, Somalie et dans le Sahel. Bien sûr, il y a des jugements des États, des auteurs africains qui partagent les points de départ de la doctrine européenne, qui ne se conforme pas à le sud-nord global division que j'ai esquissé. Comme exemple, on peut penser au jugement de la Cour suprême de la Libye sur le mémorandum d'accord entre l'Italie et la Libye en 2017. La Cour suprême de la Libye s'est prononcée incompétente de statuer sur l'action initiée par la société civile libyenne. On peut aussi penser à la Commission des recours pour les réfugiés au Bénin, laquelle, apparemment, après un entraînement par son pendant français, donne des décisions lesquelles sont restrictives, justement comme les décisions des autorités françaises. Les cours africaines, comme les auteurs africains, comme les États africains, ne parlent pas d'une voix. Mais je suis convaincu qu'il y a des perspectives africaines sur le droit de migration et le droit des réfugiés qui sont marginalisées dans le droit soi-disant international de la migration. Mais le droit international de la migration ne peut pas être ce que les Européens et les Américains veulent qu'il soit. Si ce droit se dit international, la doctrine doit, pour des raisons de méthodologie du droit international, reconnaître la nature controversée du droit international de la migration. Pour finir, on pourrait penser qu'une confrontation entre la version européenne, sédentaire, et les perspectives africaines du droit international de la migration, avec plus d'attention pour la mobilité, pourrait être dépassé par une version intégrée du droit international de la migration qui dépasse ces différences. Mais alternativement, on pourrait considérer que le droit international de migration est un site de contestation sans prévoir une synthèse. Moi, je ne suis pas sûr de cela, mais ce qui est tout à fait clair est que la dominance de l'Europe dans le champ du droit international de la migration et de l'asile résulte dans un défigurement. C'est pour cette raison qu'il m'est un plaisir et en fait, c'est une grande honneur de partager quelques réflexions avec vous. Aujourd'hui, je vous souhaite des travaux fructueux dans les jours à venir. Merci.